Oui, shalom, shalom. Vous voyez, par moment, je laisse ma voiture prendre un coup avec cette voie de la voie entre Divor et Zaroko. Ça prend un coup. Mais je ne peux pas laisser. Il faut prendre souvent louer des taxis parce que les gens ont besoin de nous. Et je disais comme ça, si nous avons des 4x4, les pick-up 4x4, les trucs en double cabine, nous serons encore plus efficaces afin de pouvoir faire un bon rendement pour le royaume de Dieu. Nous devons dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Mais il faudrait que nous annonçons l'évangile. Il a les moyens. Je dis toujours aux gens que l'évangile est gratuit, bien sûr, mais l'évangélisation est coûteuse. Parce que nous ne sommes pas au temps de Jésus. Il faut actualiser la parole de Dieu. Au temps de Jésus-Christ, les gens marchaient. Dans nos temps, on ne peut plus marcher. Il faut des moyens. C'est-à-dire des véhicules, il faut des trucs de transport pour être encore équipé. Mais regarde, je suis encore à ce stade de prendre encore Roro, venir dans un village. C'est un SOS qui lance à tout le monde, dans le monde entier. Venez-nous en aide pour que nous soyons plus efficaces. Vous voulez que le prophète Crasso prie pour vous, gloire à Dieu, je le fais. Et j'en profite pour dire que j'ai 2 jours de rendez-vous sur le Skype. Si vous le prenez ces 2 jours, si vous m'appelez un autre jour, je serai obligé de vous raccrocher. Et c'est ce rendez-vous. J'ai lequel lundi matin et mardi matin sur le Skype. Tous ceux qui m'appellent sur le Skype lundi matin, parce que je me réveille déjà très tôt, à partir de 6h30, je suis sur le Skype. Bien sûr, l'heure de la Côte d'Ivoire, je précise très bien. On vous demande quelle heure, mais je suis en Côte d'Ivoire. Donc quand je parle de l'heure, c'est l'heure de la Côte d'Ivoire. GMT, voilà, merci. On dit GMT. Voilà, GMT. Donc à partir de 6h30, je suis là. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de personnes sur le Skype. J'ai commencé à prier pour des gens. Demain encore, je serai encore sur le Skype de 6h30 jusqu'à 12h. Voilà, jusqu'à 12h. Tous les jours, 2 jours dans la semaine, où je prends le temps de parler aux gens. Et il y a certaines personnes qui disent, ah non, on n'arrive pas à avoir des images de qualité. Mais si nous n'avons pas des appareils, ce sera vraiment difficile de faire des bons rendements. Je profite de dire merci à Flora, au milieu de Londres. Merci pour ton iPad. Merci pour cette tablette-là, qui va beaucoup nous aider. C'est une tablette, en même temps, il y a une puce, combinée, un téléphone dedans. Merci beaucoup, ma fille. Vraiment, merci pour ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup, merci pour ceux qui nous soutiennent déjà. Merci, j'ai déjà la présence de Audrey ici, gloire à Dieu. Et il y a certaines personnes qui arrivent pour apporter un coup de pouce à ce ministère. Voilà, donc si vous voulez, si Dieu vous met à cœur de nous aider, gloire à Dieu. Aidez-nous à avoir des véhicules. Nous nous levons, nous ne dormons pas. Nous allons dans les villes, dans les contrées pour annoncer l'évangile. Pas bon de véhicules, il y a des coins que nous ne pouvons pas pénétrer parce que nous manquons de véhicules. Donc soutenez-nous. Voilà, soutenons-nous. Merci Montréal. Je parle toujours de Montréal parce que bientôt, je serai au Canada, à Montréal. Montréal a gagné mon cœur. Shalom.